plusieurs fois. Je vous remercie d'être là ce soir. Je vais vous dire deux mots de qui on est avant de céder la parole aux deux intervenants. Donc je vais dire un mot. Et puis voilà, donc je vais être assez rapide. Agir Haïti, Occitanie, c'est une association que nous avons créée il y a 3-4 ans. Et dont le but est d'aller au-delà des réseaux sociaux, de se connaître. Enfin, les réseaux sociaux, on arrive vaguement à identifier des personnes. Quand on se voit, quand on partage des choses, quand on partage une soirée, on sait un peu mieux qui on est. Fondamentalement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à partager sur les compétences. On n'a pas vocation à faire des deals directement. Enfin, si des deals se font, c'est très bien, c'est parfait. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à bien comprendre qui sait faire quoi, qui est dans quoi, et qui peut s'impliquer dans quoi. Donc, on est vraiment dans cette orientation compétence, orientation employabilité. D'autant qu'on pense que l'employabilité, le fait de rester employable, ça demande de comprendre les besoins des entreprises, de comprendre à quelles compétences ça correspond, si on les a ou si on les a pas, et comment est-ce qu'on peut les acquérir. On pense aussi que la compétence, elle est à la fois individuelle, parce qu'on cherche tous notre emploi, elle a un fort aspect collectif. Une région est d'autant plus porteuse d'emploi que la compétence globale est grande. Et la compétence, il faut qu'elle soit globale. Elle n'est jamais individuelle. Un génie, quelque part, il est génial, il fait son deal, mais on ne peut pas dire que le lieu va en profiter. Il est dans sa tanière, d'une certaine façon, mais le lieu n'en profite pas forcément. Nous, on est vraiment dans une logique de la région, de l'Occitanie, là où on est, et d'arriver à collectivement faire monter nos compétences réciproques. Alors c'est pour ça qu'on est sur des thèmes particuliers. On a eu des rencontres sur Usine 4.0, Industrie 4.0, on a eu des rencontres sur l'agilité, là cette année on est plutôt sur l'IA. Pourquoi ? Parce que l'IA c'est vraiment au cœur d'abord de problématiques nouvelles, d'appréhension nouvelle des besoins d'entreprise. C'est quelque chose qui est problématique, qui n'est pas clair dans ses enjeux, donc il y a à faire. Il y a beaucoup à partager aussi. On a besoin chacun de notre compétence, mais on a quand même besoin pas mal d'échanger. Et c'est ce qu'on va chercher à faire, nous, pour cette année, au sein, modestement, de cet Agir Haïti. On est donc demandeur même de participation au sein de notre association, hein, qui est basée sur le bénévolat, mais qui s'enrichit aussi d'initiatives personnelles et puis d'initiatives personnelles. Je vais en passer aux interventions. Il y a donc François-Marie Le Saffre et Bérangère Mathieu. François-Marie Le Saffre de Soprasteria, Bérangère Mathieu de Machina Corpus, qui nous ont fait l'amitié donc de venir parler et d'illustrer l'intelligence artificielle sous deux points de vue volontairement différents. C'est ce que nous faisons à Agir Haïti, nos rencontres. Il y a toujours deux points de vue et on essaie de les mettre en tension. Bon, en tension, oui, de faire en sorte qu'ils se répondent. Donc, pour François-Marie Le Saffre, ça sera plutôt l'approche des besoins, des opportunités, de ce qui se passe du côté aéronautique, puisque Soprasteria, comme vous le savez tous, est quand même très très impliqué sur les projets aéronautiques. Bérangère Mathieu sur l'aspect développement. Bérangère Mathieu présente l'intérêt qu'elle vient de l'académique, donc elle vient de l'IA tel qu'il se fait dans le monde académique. Elle est maintenant dans le monde de l'industrie, donc elle est porteuse un peu des deux points de vue dont on sait qu'ils s'enrichissent, mais enfin ils sont quand même relativement éloignés. Donc ces deux illustrations, ces deux points de vue, c'est ça qu'on va mettre en évidence ce soir avec vous deux. Fondamentalement, la soirée se passe comme d'habitude, c'est-à-dire il y a deux interventions d'environ une demi-heure. François-Xavier, chacun dira comment il veut la manager. Ensuite, il y a débat, retour d'expérience avec la salle, une demi-heure. Et ensuite, on continue tout ça plus directement. Plus charnellement, autour d'un verre, ou deux d'ailleurs, il y en aura quelques-uns, et de ce qu'il faut pour manger. Et ceci se passera à côté, donc vous me suivrez, c'est pas loin. Il n'y a pas beaucoup de marche à pied, mais enfin, il faut aller, c'est dans un autre bâtiment. Et bien voilà, je vais donner la parole
en premier lieu à François-Marie Xavier. Merci encore. Merci. Alors, vous êtes prévu d'avoir un peu de support. Ça fonctionne, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis François-Marie Le Sartre. En fait, j'ai commencé à travailler en IA au millénaire précédent, hein, c'était dans les années 80. Donc j'ai eu la chance de connaître le deuxième été, et puis après ben, l'hiver. Bon, j'avais prévu d'arrêter de travailler en IA, et puis un nouvel été est arrivé, donc je m'y suis remis, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur. Et donc on va partager ensemble quelques exemples dans le domaine aéronautique. J'essaierai aussi de donner un peu ma compréhension ou ma vision de ce que ça peut être au travers de ça. Il y a un moment de débat après, mais si vous souhaitez m'interrompre pour une question de compréhension ou autre, surtout n'hésitez pas. Enfin, on n'est pas nombreux, mais ça peut être fortement interactif. Hein, moi, je préfère. Alors en fait, ouais, tu commençais en disant l'IA, c'est... On va beaucoup parler d'IA cette année. Effectivement, c'est arrivé depuis quelques années. On peut dire aujourd'hui que l'IA, elle est partout. Elle est partout, et la meilleure preuve qu'elle est partout, c'est qu'elle a subi un certain nombre d'échecs. Et ça, c'est quand même plutôt positif, parce que comme l'être humain qui fait des erreurs, bah, l'IA, elle fait aussi des erreurs. Il y en a quelques-unes ici. Qu'on peut voir. Par exemple, en Chine, vous savez qu'ils ont mis en œuvre des systèmes de reconnaissance faciale pour aussi supporter les positions sociales des différentes personnes. Et puis, ben, ils ont reconnu à tort un millionnaire chinois qui ne marchait pas dans les clous. On n'a pas le droit de ne pas marcher dans les clous. Et donc, ça fait scandale. Plus grave, Uber a la première voiture autonome, en fait, elle a tué une personne, donc ça a arrêté quand même momentanément les recherches. Dans un tout autre registre, aujourd'hui, on sait mettre des figures de personnalité sur des corps d'actrices pornographiques, hein, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde, sans qu'on y voit grand-chose. Il y a un système de Google qui consiste à prendre un certain nombre de photos puis à les marier pour que vous puissiez avoir un panoramique. Et puis parfois, bah, en fait, ils se sont trompés. On n'a pas reconnu une montagne, mais on a reconnu un skieur. Donc ça fait un paysage un peu étrange, on va dire. Tout le monde s'est trompé l'année dernière sur les prévisions de la Coupe du Monde. Sauf peut-être un système qui avait raison. Bon, vous connaissez aussi tous... la mise en œuvre du système Tay là, chez Microsoft, hein, qui a été arrêté au bout de 16 heures parce qu'il était parti pour être hyper raciste. En fait. Dans le domaine industriel, IBM Watson, et on a beaucoup, beaucoup de respect pour Watson parce qu'on l'utilise pour ce qu'il sait bien faire, mais le programme qui consistait à mettre en place des systèmes dans le domaine de la santé, en fait, à un moment donné, ils ont arrêté. Ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Mais ça n'a pas été là où on souhaitait aller. Amazon, qui n'est pas n'importe qui, aussi dans le domaine, il utilisait ses propres systèmes pour faire du recrutement, mais en fait, ils étaient fortement biaisés, parce qu'on apprenait, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais en fait, ils apprenaient sur le passé, et comme ils recrutaient plus de personnes du sexe masculin que de personnes du sexe féminin, en fait, le mode de recrutement était biaisé à cause de ça. On voit d'ailleurs que quand on parle de Google, Uber, IBM, Amazon, enfin, c'est les grands noms de l'IA. Et les grands noms de l'IA, ils se portent. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de succès. C'est aussi pour ça, bon, évidemment, qu'on est là ce soir et puis qu'on en parle, c'est que ça marche aussi. Donc c'est faire de la traduction, de la reconnaissance faciale. Il y a une voiture autonome qui a passé le permis, qui a réussi à l'avoir. Il y a des êtres humains qui n'arrivent pas. Hein. Il y en a même qui l'ont. Et il y en a même qui l'ont à tort, c'est ça. Ouais, qui devraient ne pas l'avoir. Hein. Et on ne nommera personne. Les deux événements aussi très récents, bon, il y a AlphaGo, là, vous connaissez tous l'histoire, hein, qui a quand même été un premier succès.
le deuxième qui n'en est absolument pas moindre et qui en plus peut vraiment être, j'ai envie de dire, encore plus intéressant dans le domaine industriel, c'est quand ils ont réussi à battre StarCraft 2. Parce que là, on est dans un environnement qui est ouvert, inconnu, en interaction, en temps réel, et avec des mécanismes d'apprentissage, battre quasiment les meilleurs joueurs. Ça commence à ressembler à des applications industrielles, d'une certaine façon, peut-être plus que sur le Go. Bon, on a découvert une exoplanète grâce à des techniques d'IA. Donc il y a quand même un certain nombre de progrès. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, alors ce sera évidemment un peu plus modeste, parce que là, c'est des progrès qui ont mis, comment dirais-je, qui ont mis en œuvre beaucoup de moyens. Mais dans le domaine aéronautique, on a aussi évidemment quelques succès ou quelques domaines d'application. C'est ça que je vais partager un petit peu avec vous. Peut-être avant d'y aller, un mot, parce que une des questions qu'on se pose souvent, à laquelle d'ailleurs je n'aime pas du tout répondre, c'est quoi l'IA, parce qu'en fait, donner une définition, c'est quand même vachement compliqué. Si on voulait s'y lancer, moi j'essaye de... Personnellement, j'aime assez bien le test de Turing, je trouve que ça montre bien la volonté, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait en intelligence artificielle ou dans des systèmes à base d'intelligence artificielle. C'est que d'une certaine façon, nous, dans notre travail, tu le disais Maurice, en fait, on travaille ensemble, on n'est pas tout seul, on doit travailler avec des êtres humains pour construire quelque chose, donc on est tout le temps dans le dialogue, dans l'interprétation, dans la collaboration. Et d'une certaine façon, on aimerait bien avoir parfois des systèmes qui, avec lesquels on puisse avoir ce niveau d'interaction-là pour le travail qu'on a à faire. Donc le projet vise à, d'une certaine façon, à simuler, plus qu'à reproduire, parce que pour reproduire, il faudrait qu'on ait compris, mais d'une certaine façon, à simuler un certain nombre de fonctions que nous, êtres humains, on est capable de faire sur un plan cognitif. Donc, peut-être que tu compléteras tout à l'heure. Donc, on sait faire beaucoup de choses, hein. On sait interagir, on sait analyser, on sait discuter, on sait apprendre, on sait voir, on sait comprendre, on sait raisonner. Bon, on va essayer de simuler un peu tout ça. À quoi ça sert? Alors, on le voit, l'IA est partout, donc ça sert à beaucoup de choses. Dans notre domaine, dans les domaines de l'entreprise, personnellement, j'ai le sentiment que l'endroit où c'est vraiment utile, où on a intérêt à aller en tout cas, c'est dans tout ce qui est excellence opérationnelle. C'est-à-dire que les entreprises et les grandes entreprises, alors je raisonne beaucoup avec les grosses entreprises parce qu'à Soprasteria, on a plutôt une politique de grands comptes, donc on travaille les grosses entreprises, mais en fait, ce qu'on observe, c'est que toutes ces entreprises, elles sont construites sur des process. Et les process, normalement, ils doivent s'exécuter de façon nominale. Ah, on parlait des process il y a quelques instants, Maurice. Est-ce que les process s'exécutent de façon nominale dans vos entreprises? Ça fait pas des zones, ça. Oui, non. Hein? Plutôt non, hein? pas de fait. Bon. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un aléa, il ne se passe pas quelque chose qui était prévu, c'est pas... Et en fait, à ce moment-là, on doit s'arrêter, on doit faire venir des gens, réparer, des gens qui ne sont pas forcément encore business, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on fait autre chose, donc on oublie ce qu'on était en train de faire. Quand on s'est réparé, on revient, il faut recharger le contexte, se remettre au travail, sortir le truc, on met des retards, donc le collègue, il a le truc en retard derrière. Enfin, c'est une espèce de boule de neige. Et en fait, si au moment où on en a besoin, on pouvait avoir l'agent cognitif qui nous aidait à résoudre nos problèmes, paf, et bien on fait d'une pierre trois coups. On continue, on livre à l'heure, on évite d'embêter les gens, on est concentré, on est plus efficace. Donc en fait, le projet, c'est un petit peu ça, dans les entreprises. Est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes d'aide à la décision qui permettent de pouvoir faire en sorte que nos processus s'exécutent de façon normale, d'une certaine façon? Ben, si on y arrivait, c'est une vraie révolution. Hein. C'est pour ça aussi, je pense que l'IA aujourd'hui, elle est si prégnante dans les entreprises et qu'on considère, et de mon point de vue à juste raison, que ça peut vraiment être un élément de révolution. C'est pas pour ça qu'on y arrive, on verra tout à l'heure un petit état de l'art, il y a des choses qu'on sait très bien faire, des choses qu'on ne sait pas encore bien faire, mais on avance. Après, on peut l'utiliser aussi sur de nouveaux services, pour la conception, etc. Donc le champ d'utilisation est assez vague, était assez large, pardon. Mais disons, la valeur, on la voit quand même pas mal là-dessus.
Donc mettre en place un système d'intelligence à Vienne, d'une certaine façon, c'est quoi? Quel est le modèle, en fait? Il y en a plusieurs. Moi, celui que j'aime assez bien utiliser, c'est le modèle de la résolution de problèmes. C'est celui du médecin. Parce qu'en fait, dans notre activité, souvent, quand on regarde bien ce qu'on fait, on résout des problèmes. Non? C'est ça qu'on fait. Oui. 95%. Ah, c'est comme le médecin, il résout un problème. Je pense que c'est ça, il n'apprendra probablement pas grand chose, mais enfin, le modèle du médecin, donc, qui a été modélisé en IA il y a une vingtaine d'années, c'est grosso modo en trois étapes. C'est un, qu'est-ce qui se passe, hein, c'est la symptomatologie, j'ai un bouton rouge ici. Après, il y a deux choses, hein, c'est soit la cause. Mon bouton, c'est une brûlure, ou bien c'est un microbe, ou bien ça peut être aussi la conséquence. Quoi. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs? J'en aurai partout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est la thérapeutique. Donc, on a bien la description, le diagnostic ou pronostic, ou la prédiction, et puis la prescription. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est qu'en fait, les problèmes. Les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, quand on a un système à réaliser, il faut bien comprendre où est la difficulté. Je prends l'exemple de la cyber, il y a un qui est là. Souvent dans la cyber, la difficulté, c'est de savoir qu'il se passe quelque chose. On a plein de logs, etc. Mais est-ce que c'est un malware ou pas? On ne sait pas, parce qu'en fait, on n'a pas la définition d'un malware. L'inventivité est telle là-dessus que la grosse difficulté est là-dessus. Une fois qu'on a détecté qu'on avait un malware, peut-être derrière, faire quelque chose, c'est pas hyper compliqué. Après, quand on a une fuite d'huile, par exemple, dans un avion, bon, à détecter, c'est pas forcément compliqué, mais parfois la cause est extrêmement compliquée. Pas trop. Donc en fait, là, la difficulté, elle va plutôt être là-dessus. Si je prends un autre exemple, par exemple, dans une supply chain, vous avez une rupture dans la supply chain, c'est pas trop compliqué à identifier. Hein, la cause, à la limite, on s'en fout. Ce qui va être intéressant, c'est la conséquence. Mais par contre, la reconfiguration, elle est vachement compliquée. Et en fait, les technos qu'on va utiliser ne sont pas forcément les mêmes selon que la difficulté, elle est sur tel ou tel ou tel sujet. Et deuxièmement, le fuel de tout ça, c'est les données et les connaissances. On a besoin d'avoir des connaissances pour gérer tout ça, et on va s'appuyer sur des données. On va dire que cette partie-là, elle est plutôt data-driven, on va être plutôt au niveau de la perception, on va essayer de comprendre ce qui se passe, de le mettre en relation, alors qu'ici, on mettra plutôt en avant la manipulation en fait, des connaissances. Ce qu'on peut dire, c'est que le troisième, arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord ou si ça c'est pas clair. Hein. C'est bon, ça va. Le troisième été qu'on vit aujourd'hui, il vient ici, hein, c'est qu'on a une énorme révolution sur la capacité de traiter les données. Il y a plusieurs témoignages qui peuvent être faits, il y a des spécialistes ici sur la partie gestion des données, avec le big data, le cloud, etc. On n'a pas tellement progressé depuis de nombreuses années sur la gestion des connaissances, ou sur la manipulation des connaissances. Donc, on s'est vraiment excité là depuis 2 ans là-dessus. On s'est rendu compte aussi de certaines limites, hein, je pense que tu devrais peut-être en parler. Et donc, ça revient aussi au bout du jour parce que on s'aperçoit que, ok, il se passe quelque chose, so what? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, dans certains systèmes que l'on met sur lesquels on fait un gros focus là-dedans, en fait, on ne peut pas aller jusqu'au bout. J'avais un témoignage là, d'une de nos interlocutrices récemment sur le sujet qui disait, ok, on a mis en place un super système d'analyse de données et en fait, on n'a pas utilisé. C'était sur les problèmes de qualité. Parce que les gens ne savent pas quoi faire avec. Donc, ok, il se passe ça, mais... Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de revenir. On revoit parler des raisonnements du management des connaissances. Vous avez probablement connaissance du projet IT qui est la réponse à la 3IA de Toulouse, qui en fait donne comme cible, comme cœur d'activité l'IA hybride, c'est-à-dire qui est précisément la combinaison des modèles, on va dire statistiques au sens large, et des modèles explicites qui sont plutôt des modèles de connaissances.
Quand on pose la question à Bertrand Brodjweig, c'est patron précisément du déploiement des 3IA en France, sur le projet 3IA, et c'est patron de l'INRIA Saclay. Grand bonhomme en IA, quand on lui demande c'est quoi la définition d'IA, il dit moi je ne réponds pas, je peux vous dire ce qu'il y a dedans, mais je ne dis pas ce que c'est. Il répond en extension et pas en intention. Donc on a à peu près ici les différentes composantes de l'IA, alors que c'est discutable, enfin ça donne un petit peu le spectre. Il y a évidemment tout ce qui est la partie apprentissage, je pense qu'on en parlera pas mal tout à l'heure, le traitement du langage naturel, tout ce qui est le speech et la vision. Donc on voit ici en fait beaucoup de sujets sur la perception, et puis des sujets qui sont relatifs au raisonnement, y compris d'ailleurs les systèmes experts qu'on a un peu mis dans la poubelle et qui vont revenir de toute façon, et puis tout ce qui est optimisation aussi, robotique. Voilà un peu de façon générale les composantes. Il y a beaucoup de technologies. Et un bon système d'intelligence artificielle en général, c'est un mix de différentes technologies. Alors, avez-vous quelques exemples dans le domaine data? Alors, par data, j'entends la donnée industrielle, hein, parce qu'on est dans le domaine aéronautique, et je vais plutôt parler de la donnée industrielle. Quelques exemples aussi dans le texte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de textes dans le domaine aéronautique, hein, les spécifications, les évidences, la traçabilité, les erreurs, enfin, etc. Et puis un petit peu l'optimisation aussi. Alors, oui, il y a beaucoup d'exemples dans le domaine aéronautique. En particulier, on a d'une certaine façon la chance, en particulier à Toulouse, parce qu'il y a des grosses activités sur les essais en vol des avions. Et là, les essais, ça produit un nombre de données absolument incroyable. Vous devez aussi connaître les programmes aujourd'hui d'Airbus qui consistent à équiper en fait des avions avec des capteurs qui ont beaucoup de données. On va passer de 400 paramètres à 24 000 paramètres. Tout ça, c'est pour exploiter tout ça avec des data lakes aussi. Je pense que vous avez déjà peut-être partagé ça dans un moment. Donc, quelques exemples ici. Je ne vais pas tous les passer en revue. Beaucoup sont relatifs à la perception, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Y a du bruit. Est-ce que c'est un bruit qui est normal ou pas normal? Est-ce qu'il y a des moustiques sur les ailes, des fuites d'huile, qu'est-ce qui est l'inspection par drone et par analyse d'image, comparaison avec les modèles. Alors il y a des choses liées à des problématiques métiers fondamentales. Air data, ça c'est le sujet qui vient de l'avion là, qui s'était abîmé, le Air France, le Rio Paris qui s'était abîmé. Et en fait, une des raisons, c'était que la perception en fait du fait que le capteur de la sonde Pitot ne fonctionnait pas, en fait on n'avait pas cette perception là. En fait on a raisonné sur des données incorrectes. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le 737 MAX là, il semble que les premières analyses semblent montrer que en fait c'est un raisonnement correct à partir de données qui sont incorrectes. Et ça c'est une problématique qui est super super importante, en particulier enfin, dans le domaine aéronautique. Malheureusement des fois ça peut aller sur des drames, mais oui, on raisonne, mais il faut aussi absolument s'assurer que les données sont exploitables. J'imagine que tu en parles un petit peu. Un exemple aussi que j'aime bien mentionner, qui est opérationnel, c'est parfois, on ne sait pas maîtriser la complexité d'une opération. En fin de ligne, quand on réceptionne l'avion, en fait, le client, il va regarder, c'est un peu comme si vous faites l'état des lieux, ça c'est pas tout à fait bien mis, il y a une tache à droite, le sol n'est pas... C'est tous des petits détails comme ça, mais qui font que l'avion n'est pas super super nickel. Donc c'est plein de petits trucs à faire avec des corps de métier différents. On peut utiliser Microsoft Project, mais en fait la planification de ça, c'est aussi coûteux d'une certaine façon que la réalisation.
Or, comme on est en fin de livraison, il faut absolument dire au client quand est-ce que tu auras ton avion. Et en fait, en regardant le passé, pour des opérations similaires, on est capable de pouvoir en fait créer un modèle prédictif, vraiment à base statistique, qui permet de pouvoir prédire en fait la courbe de résolution de ces problèmes-là avec une assez bonne précision. Et donc c'est utilisé aujourd'hui pour indiquer la date de livraison. Et donc là, on a des utilisations de ces techniques-là qui sont pas évidentes du premier coup, qui sont intéressantes. Un autre mode d'utilisation, c'est quand vous avez des gros modèles qui doivent tourner sur des gros modèles analytiques qui prennent beaucoup de temps pour fonctionner en fait. Bah, vous ne pouvez pas les utiliser tout le temps. Donc en fait, vous pouvez utiliser un réseau de neurones pour apprendre à partir de quelques exécutions de ce modèle, avoir en fait un modèle de votre modèle analytique et qui lui s'exécute extrêmement rapidement. Donc c'est d'autres modes d'usage aussi que vous pouvez utiliser pour accélérer l'utilisation. Plutôt orienté sur la maintenance prédictive. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des cartes de contrôle en fait qui sont construites là, pas très loin d'ici, et qui sont en compagnie. Et en fait, quand il y a un problème sur ces cartes, on fait l'analyse post-mortem. Donc on va récupérer des informations pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on s'est dit, c'est dommage, on a en fait toutes les données qui sont les rapports de vol, dans lesquels il y a des événements qui sont significatifs, et on a aussi les données de maintenance qui peuvent être dumpées, c'est les données en fait produites à l'intérieur de l'avion. Et en fait, quand on regarde tout ça, on est capable de pouvoir rassembler des éléments qui sont suffisamment similaires pour qu'ils aient un sens sur le plan physique, et puis que l'homme métier puisse dire, tiens, oui, effectivement, tout ça, ça a une signification. Il peut lui donner un nom, d'ailleurs. Il peut même derrière en produire le modèle analytique, c'est-à-dire pour bien comprendre le phénomène physique sous-jacent, et ça peut-être que tu parleras aussi tout à l'heure de l'explicabilité ou des choses de cette nature. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai des modèles sur lesquels je découvre de la connaissance, mais je les transforme en modèle analytique pour que cette connaissance-là elle soit capitalisée. Et en fait, on a mis ça en œuvre sur de façon systématique, c'est-à-dire que tous les vols étaient passés par cette moulinette-là, c'est-à-dire qu'on renchérissait à côté de la donnée numérique, la donnée labellisée par l'expert, par ce modèle qui avait été découvert. Deuxième étape, en remettant l'analyse, avec cette fois-ci les déposes, c'est-à-dire les pannes d'une certaine façon, qui avaient été enregistrées, de pouvoir faire en fait un modèle prédictif de panne. Vous voyez, une étape à plusieurs étapes, vous pouvez y arriver, et en fait ça a plutôt pas mal marché parce qu'on a réussi à prédire des pannes qui se sont effectivement passées un mois plus tard. Donc on parle beaucoup de maintenance prédictive, c'est un peu le Graal hein, dans le domaine aéronautique et dans le domaine industriel. Je ne dis pas que tout est résolu, mais il y a des percées aujourd'hui qui sont intéressantes. Des exemples sur le texte. La problématique qu'on a, elle est double en fait. On a beaucoup de la même façon qu'on a beaucoup de données numériques, on a beaucoup de textes dans le domaine aéronautique. Donc on a une problématique de recherche. Quelle est la bonne procédure de maintenance dans le domaine aéronautique? Là, j'ai une démonstration là-dessus, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je pense pas. Il reste combien de temps? 5 minutes. Ça, peut-être tout à l'heure, si ça intéresse quelques-uns, je pourrais vous faire la démonstration c'est facile. Après, il y a aussi l'exploitation de ces données-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données dans le domaine aéronautique qui sont... Et c'est vrai dans tout métier, d'ailleurs. J'ai rencontré ce problème-là. Et voilà la solution qui a permis de résoudre ce problème. C'est-à-dire, il y a beaucoup ça dans le support. Donc, en fait, on a beaucoup
beaucoup d'historiques qui mettent en relation des problèmes et des solutions. Ben, ça, on peut l'exploiter pour arriver à avoir des modèles qui permettent de pouvoir prédire quelle est la bonne procédure. Je vais vous donner un exemple dans le domaine de la maintenance. Quand on a un défaut qui apparaît, quand le pilote il dit « bon, voilà, moi j'ai vu tel défaut ben, », le mainteneur, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va prendre les procédures standards, il va essayer de les dérouler les unes derrière les autres. Mais peut-être qu'en fait, la bonne solution, c'est la quatrième étape. Et lui, il est quand même obligé de faire les trois premières. Sauf si, ben, on lui dit, avec un système donc, d'aide à la décision, « tiens, commence plutôt par la quatrième, tu gagneras du temps ». Ça, on peut le faire à partir de l'exploitation d'histoire. L'optimisation. Alors ça, c'est des technologies qui sont séculaires. Elles existent depuis extrêmement longtemps. C'est des techniques mathématiques assez évoluées. On n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais par contre, c'est pas forcément super utilisé aujourd'hui, malheureusement. Et c'est absolument génial. C'est-à-dire que quand on a un bon système d'optimisation, on peut faire des choses extraordinaires. Je en parlerai très brièvement dans la conclusion. Et aujourd'hui, par exemple, bah, on sait optimiser le chargement d'un Beluga. Enfin, ça, c'est important, hein, pour mettre plus de choses, tout en respectant bien les contraintes de navigabilité. Des procédures aussi d'optimisation des routes pour les flottes, en prenant en compte à la fois les propriétés de l'avion lui-même, mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire notamment la météo. On sait aussi, avec des techniques d'IA, générer des tests pour des procédures. Je vais vous donner un exemple. Quand on veut, aujourd'hui, dans le cadre du transport aérien, faire évoluer les procédures de contrôle de trafic, dans le cadre du ciel unique, hein, pour en fait mieux traiter l'augmentation du trafic. Par exemple, faire des trains d'avion, donc diminuer un peu les séparations. C'est pas forcément facile de pouvoir tester ces procédures et on va pas générer des vols pour tester ces procédures. Ça va coûter trop cher. Donc est-ce qu'on est capable de pouvoir générer des jeux de tests à partir de quelques exemples de vols qui soient suffisamment réalistes pour pouvoir tester les procédures? Ah oui, on est capable de faire. Donc, on peut aussi faire des choses qui sont assez sophistiquées avec ces technologies-là. Et alors, un peu en guise de conclusion, ça ne prétend pas faire un état de l'art forcément complet, mais comme je disais au début que pour moi, l'intérêt majeur, c'était en fait sur l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire sur les process de l'entreprise. Un process de l'entreprise, on peut le regarder sous deux angles, en termes de complexité. Il y a des process qui sont assez simples, il y en a qui sont assez compliqués. Et puis, il y en a qui utilisent peu de données, il y en a qui utilisent beaucoup de données. Donc, grosso modo, on a à peu près ici les process de l'entreprise, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de process de faible complexité qui utilisent beaucoup de données. Et réciproquement, d'accord, on veut le truc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des choses que nous on sait faire, il y a des choses qui sont au-delà de ce qu'on sait faire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la gare du Nord. La gare du Nord, c'est la plus grosse gare d'Europe. Il y a 50 000 mouvements, 50 quais, enfin, c'est un truc absolument abominable. Il faut être sûr que tous les trains ils vont dans le bon quai. Et d'accord, et puis vous imaginez toutes les contraintes qu'il peut y avoir là-dessus. Hein. Bah, ça, humainement, on n'est pas capable de le faire. Hein, donc c'est un système d'optimisation qui est capable de faire et qui est capable, toutes les demi-secondes, de pouvoir replanifier l'ensemble des opérations. Donc on est plutôt là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, sur un peu sur l'état de l'art aujourd'hui, dans le domaine aéronautique, mais pas que. Le premier point, c'est qu'il y a tout un état aujourd'hui sur la capacité en fait d'aider à automatiser des processus simples, un peu compliqués, mais enfin avec pas trop de données, dans les agents conversationnels et avec ce qu'on appelle le RPA, le Robot Process Automation. Aujourd'hui, c'est plutôt assez mûr,
ça marche assez bien. Donc, en fait, ça va se déployer, en particulier les agents conversationnels. Bah, si vous utilisez les Google Home, les Siri et autres, ça va devenir de plus en plus, premium. Comme je disais tout à l'heure, le troisième été, il vient de la capacité qu'on a eue à traiter beaucoup de données et de façon très correcte, même s'il y avait quelques erreurs, comme j'ai commencé à en parler. C'est-à-dire que la capacité de faire de la perception, c'est une commodité aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Ça devient absolument une commodité. Ça va se déployer. Ça se déploie. C'est vraiment ça qui est en train de se passer aujourd'hui, la perception, que ce soit la perception des signaux, du langage, de la vision, ça devient une commodité. On a cependant, sur ces technologies-là, hein, le deep learning et autres dont tu parleras, je pense, on a un certain nombre de limitations dans le domaine aéronautique, c'est qu'on ne sait pas bien comment ça fonctionne, on ne sait pas bien derrière comment certifier le résultat, qui pose évidemment un certain nombre de difficultés. C'est aussi l'un des sujets d'Aniti, enfin dont je parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut certifier en fait des programmes qui viennent de modèles d'apprentissage automatique. L'optimisation, j'en ai parlé. Vous avez compris que je cherche à promouvoir ces technologies-là. Si vous y intéressez, il y a vraiment des gains énormes qu'on peut trouver dans les entreprises. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est quand même vraiment génial. Et alors, l'un des points aujourd'hui qui est assez prometteur et qui manque en fait, mais qui sera prometteur, c'est qu'on voit que l'apprentissage, ça a été clé en fait hein, dans ce troisième été. C'est vraiment absolument clé. Pourquoi ? Parce que on gagne du temps d'être humain, on gagne du temps d'expertise. Si on peut faire apprendre à la machine directement, bah c'est tout bénef pour nous. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on est obligé de donner des millions et des millions de données. Or, nous, on est capable d'apprendre assez vite. Hein. Moi, quand on me donne un coup sur la tête, une fois, j'ai pas besoin d'avoir un million de fois la tête sur le mur pour apprendre que c'est pas bien. Une fois, ça suffit. Et c'est ça notre pratique aujourd'hui. Et c'est ça aussi dans les entreprises. Quand on regarde un process, on regarde une fois, deux fois, on est capable d'avoir des récurrences. Est-ce que ça, aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de pouvoir cet apprentissage automatique ? Pas trop. Peut-être qu'on touchera un mot, je ne sais pas. Ou... Je suis en train d'en parler un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une des limitations. Hein, c'est un des points. Beaucoup plus de récurrences pour apprendre. Ouais. Beaucoup plus de données, beaucoup plus de coûts, etc. Donc en fait, ça, aujourd'hui, en termes d'état de l'art, on ne sait pas bien faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des sujets prometteurs. Nous-mêmes, on travaille avec une petite boîte toulousaine hein, qui dans ce domaine-là, on espère avoir beaucoup de bons résultats, mais ce n'est pas encore aujourd'hui aussi industriel que nous. Merci. Et je vous remercie de votre attention. Merci bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être on va mettre les questions un peu au. Vous les conservez. Hein, peut-être c'est Bérangère qui va passer à sa présentation et après on fera peut-être un paquet. En tout cas, merci pour avoir respecté le délai pour la clarté de l'exposé. Je voulais faire les démos, mais je vais faire. Voilà, je vais juste pas mettre en. Ah oui, tu es. D'accord. Tu as plein écran, voilà. Bonsoir à tous. Je vais poursuivre ce duo de présentation en vous parlant de deux domaines qui, à mon sens, ne se connaissent pas vraiment, pas toujours très bien. Donc, je vais vous parler de ce qui est fait en recherche en machine learning. Et mon objectif ce soir, c'est de vous montrer un peu comment on peut partir de ces travaux de recherche pour espérer les utiliser au sein de logiciels. Alors, comme Maurice vous l'a dit, donc avant de travailler chez Machina Corpus, j'ai fait une thèse en analyse d'images. Donc la thématique sur laquelle je travaillais, c'était la segmentation interactive
Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à utiliser des méthodes de machine learning. Et alors, actuellement, pour vous donner une idée de ce que c'est que la segmentation interactive, hein, c'est des outils qui vont permettre à un utilisateur de venir décomposer une image en plusieurs éléments, sous réserve que l'utilisateur donne quelques indications. Celui que vous connaissez peut-être, c'est les ciseaux intelligents ou les lasso magnétiques dans Photoshop ou The GIMP. C'est ce qui va vous permettre d'extraire un objet du fond. Et moi, j'ai travaillé sur des outils un peu plus évolués, dont l'idée était de venir extraire d'un coup plusieurs éléments. Donc les indications, c'est des traits de couleur. On a autant de couleurs que d'éléments différents qu'on veut extraire. Et vous avez un exemple ici où j'ai des traits noirs qui correspondent au fond de l'image, des traits blancs qui correspondent à la personne et des traits en rose qui ne se voient pas très très bien qui correspondent à la coiffe de cette personne. Et alors, pour vous donner un résultat qu'on pouvait obtenir à la fin de ma thèse, c'est quelque chose comme ça. Donc vous obtenez trois aplats de couleurs qui correspondent à ces trois éléments et après, c'est rien à faire d'un point de vue logiciel, vous venez resélectionner les pixels qui sont dessous. Donc, je vais vous parler donc, de machine learning et l'idée sur ce type de méthode, ça va être d'apprendre les caractéristiques des pixels qui sont sous vos traits, de venir apprendre leur couleur, leur localisation dans l'image, et d'avoir une méthode qui, à partir de ces connaissances-là, est capable de l'étendre sur l'ensemble des pixels de l'image pour retrouver les différents objets qui la composent. Ça, c'était dans ma vie précédente. Actuellement, je suis chez Machina et j'occupe deux fonctions. Donc, je fais la recherche et du développement et là, je travaille à intégrer des méthodes de machine learning au sein d'applications web. Mon autre casquette, c'est la casquette de formatrice. Donc là, j'interviens vraiment pour tout type d'acteurs. Et c'est assez intéressant parce que ça me permet de voir, en fait, notamment au sein des entreprises, qu'est-ce qui amène les gens à me commander des formations, notamment en machine learning ou en deep learning. Quelles sont les attentes derrière ces formations. Alors, au programme, on va voir, je vais vous faire une petite introduction sur le machine learning, histoire de ne pas vous parler de quelque chose sans le définir un petit peu. Je vais vous parler de ce qui se passe du côté recherche. Qu'est-ce qui en recherche fait qu'on approuve une méthode, qu'on la valide et qu'on dit « Ok, cette méthode, ça fait progresser nos connaissances et on va lui consacrer un article de recherche. » Je vais ensuite vous parler du côté des entreprises et je vais vous montrer en fait qu'il y a un fossé important entre cette validation qui est réalisée en recherche et ce qu'on va pouvoir effectivement utiliser en entreprise. Et pour ne pas terminer sur une note trop défaitiste, je vais vous parler donc d'un projet sur lequel on a vraiment réussi à utiliser ces outils et je vais vous montrer en fait que si on s'y prend correctement, on peut très bien aller puiser dans la recherche et aller récupérer ce qui est fait pour créer des logiciels tout à fait intéressants. Alors, un petit point rapide sur le machine learning. Tu l'as très très bien montré, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. C'est actuellement un des domaines qui fait le plus parler de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle c'est beaucoup plus vaste que le machine learning. Et c'est des méthodes qui sont axées sur la notion d'apprentissage. Donc ce qu'on va avoir, c'est on va avoir un jeu de données qui sont des données exemples, et on va entraîner cette méthode avec ces données. Et ensuite on va valider, puis utiliser cette méthode sur des données qui elles seront différentes. Alors toute l'idée, hein, ça va être de venir apprendre à résoudre un problème sur ces données exemples et d'avoir une solution qui soit suffisamment générale pour être applicable à des données qui vont être, elles, différentes. Ce n'est pas des copies exactes de vos données d'apprentissage. Donc, il y a un exemple que j'aime bien montrer en formation, c'est si vous entraînez une méthode à prédire la probabilité que vous ayez un canard ou un castor dans une photographie, si vous l'entraînez correctement, votre méthode, elle sera capable de prendre une photographie d'un ornithorynque et de vous sortir, par exemple, une probabilité de 0,7 d'avoir un castor et de 0,3 d'avoir un canard. Je ne suis pas allée vérifier les probabilités, mais ce qui est important, c'est que cette photographie, elle est quand même très différente des photographies d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vise. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la recherche? Une notion qui est centrale actuellement dans la recherche académique française, c'est la notion de verrou scientifique. Si vous soumettez une méthode pour qu'elle soit acceptée par vos pairs, il faut soit qu'elle vienne résoudre un problème pour lequel il n'existait pas de solution, soit qu'elle le résout un peu mieux que ce qui avait été fait précédemment. Donc si par exemple vous prenez la reconnaissance faciale, au début on avait des méthodes qui étaient uniquement capables de reconnaître des visages sur une photographie de type portrait, vous aviez le visage qui occupait la majeure partie de la photographie.
Et des verrous scientifiques qui restaient, c'était par exemple de savoir reconnaître le visage si la personne fait une grimace, si elle porte des lunettes, ou si elle est en fait au sein d'une foule et qu'il n'y a pas un seul visage dans la photographie, mais plusieurs. Et alors ensuite, on a eu des méthodes qui ont été proposées, pas parce qu'elles ouvraient le champ des possibilités, mais simplement parce qu'elles pouvaient être plus performantes, donc un meilleur taux de reconnaissance, ou simplement aussi plus rapides. Souvent, on commence par des méthodes qui sont assez lentes, et on a tout intérêt à les améliorer un petit peu. Alors, ce qu'il faut bien voir avec ces améliorations, c'est qu'elles ont souvent un coût. Vous allez améliorer un petit peu d'un côté, et vous allez perdre de l'autre. Donc, dans le machine learning, il y a un type de méthode qui est assez populaire, qui est les réseaux de neurones. Et parmi ces réseaux de neurones, il y en a un qui s'appelle YOLO, dont le rôle, c'est d'identifier, de localiser les objets qui sont présents dans une image. Actuellement, on est à la troisième version de YOLO. Donc, la première version de ce réseau de neurones, elle n'arrivait pas très bien à retrouver les petits objets. Et actuellement, on est sur la troisième version qui fait beaucoup mieux sur les petits objets, mais qui est un peu perdue sur les objets de taille moyenne. Et en anglais, on a un concept qui est le no free lunch. Donc avec cette idée que vous aurez du mal à avoir une méthode qui soit générale et qui s'adapte à tous les problèmes, généralement il vous faut la réentraîner un petit peu pour la spécialiser sur votre problème à vous. Et alors, ce qui se passe aussi avec ces améliorations, qui sont proposées en recherche et qui sont tout à fait valides du point de vue de la recherche, c'est qu'elles peuvent concerner des problématiques que vous pouvez résoudre tout à fait différemment. Si par exemple vous avez un processus d'usinage et que vous avez une caméra, vous avez des images de vos pièces et vous voulez détecter les pièces qui n'ont pas été usinées correctement, ben vous allez vous simplifier la vie. Vous allez avoir un spot lumineux qui va vous assurer que la luminosité est constante sur votre image, vos pièces elles sont toujours positionnées pareil et vous allez avoir un fond qui sera homogène. Ça c'est des choses qu'on peut mettre en place et qui font que vous pouvez utiliser des méthodes d'analyse d'image qui existent depuis des années sans avoir à aller chercher du côté des méthodes les plus récentes. Donc, ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question, finalement, une méthode qui a passé le processus de validation en recherche, sur quel est ce processus de validation. Donc, vous avez une validation qui est quantitative, c'est des métriques, des mesures mathématiques qui sont conçues pour vérifier certains aspects du résultat. Si vous avez une méthode qui vise à détecter le spam, par exemple, vous allez vérifier sa précision et son rappel. La précision, c'est à quel point elle est sûre d'elle quand elle va détecter qu'un mail est du spam. C'est ce qui évite que vous ayez un mail important qui arrive dans votre corbeille. Et le rappel, c'est à quel point parmi tous les spams que vous recevez, elle arrive à en détecter un maximum. Et là aussi, on veut que la méthode soit bonne sur cet aspect-là, parce qu'une méthode qui va vous détecter uniquement un spam sur 10, ça ne va pas vraiment vous simplifier la vie. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette validation quantitative, c'est des scores en fait, qui s'intéressent toujours à un aspect du problème. Et il faut bien vérifier que ce soit les aspects du problème qui vous intéressent, parce qu'on peut vous proposer des scores de réussite à 99%. Ce qu'il faut voir, c'est à quoi ça correspond ces 99% de réussite. Alors ensuite, vous avez une validation qui est qualitative. Elle est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Donc généralement, vous avez besoin d'un expert qui va parcourir le résultat et qui va émettre une note sur la qualité de la méthode. Alors, là où c'est complexe, c'est que vous ne pouvez pas avoir un seul expert. Il vous faut plusieurs experts. Il vous faut faire des statistiques sur leurs évaluations. Et alors, c'est coûteux à mettre en place. Pour faire passer un article, c'est bien, mais ce n'est pas aussi efficace que les mesures mathématiques qui vont fournir des chiffres et qui vont être beaucoup plus faciles à interpréter. Donc, c'est loin d'être toujours fait. Et enfin, il va falloir que vous vous posiez la question des données. Donc, on a une vraie volonté en recherche de mettre les jeux de données à disposition, mais malheureusement, enfin, dans le domaine sur lequel je travaille, je trouve que ce n'est pas les jeux de données les plus intéressants. Quand vous avez un partenariat avec une entreprise, souvent, et c'est normal, les données c'est actuellement ce qui a le plus de valeur peut-être pour une entreprise, l'entreprise ne va pas être d'accord pour que les données soient mises à disposition. Et vous pouvez avoir des campagnes de collecte, et encore faut-il qu'elles soient conçues, que les données soient des données qui soient cohérentes avec ce qu'on peut avoir dans le monde réel. Et pareil, c'est des processus qui sont assez coûteux, assez complexes à mettre en œuvre, et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner les méthodes sur les premiers jeux de données, ceux qui sont mis à disposition, et qui peuvent être assez éloignés des problématiques que vous aurez. Pour vous donner un exemple, sur le domaine où je travaillais, les jeux de données, c'était des images qui faisaient 300 par 400 pixels. Ça n'existe plus, des images comme ça. Les images, elles font 3000 par 4000 pixels. Et une méthode qui est rapide sur les jeux de données de recherche, ça ne veut pas dire qu'elle sera rapide sur vos données. Alors, il y a quelque chose qui est très très positif dans la recherche en informatique, c'est que maintenant il y a une vraie pression sur les chercheurs pour qu'ils mettent leur code à disposition et que ce soit reproductible, leurs expériences. Donc,
ça, c'est très bien parce que ça veut dire que vous n'allez pas juste avoir un papier de recherche, vous allez aussi avoir du code et c'est fantastique parce qu'un papier de recherche, même de 12 ou 15 pages, qui est vraiment le maximum que vous pouvez avoir, ça ne va pas être suffisant pour décrire votre méthode dans le détail. Donc ça, c'est bien. Par contre, c'est du code qui est à l'état de preuve de concept. Donc c'est souvent pas très générique et ça peut être, en analyse d'image, il y a beaucoup de contributions dans des langages propriétaires comme MATLAB, ce qui vous demande d'acheter une licence MATLAB et ce qui est loin de... Enfin, il faut que ce soit intéressant comme investissement. Donc si je fais un bilan rapide, donc les méthodes qui sont proposées, la plupart, elles ne vont pas avoir d'utilité immédiate pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des méthodes intéressantes, mais il va falloir que vous soyez capable de faire votre marché dans ces méthodes qui sont proposées. Donc les données utilisées, elles sont souvent assez différentes du monde des données réelles. Donc vous allez avoir une incertitude par rapport à ces données, et il va falloir vous assurer que tout va bien se passer avec vos données à vous. Et les validations qui sont réalisées, elles sont souvent pas suffisantes pour qu'on puisse dire « Ok, c'est bien cette méthode, on peut l'utiliser sans risque et l'intégrer dans nos logiciels. » Donc, actuellement, on a un domaine qui on peut parler de réussite spectaculaire. Tout ce qui est classification d'images, reconnaissance de visage, conduite autonome, synthèse d'images, traduction, on obtient des résultats qu'on ne pouvait pas espérer il y a quelques années. Si vous regardez Google Traduction, vous verrez qu'il est capable de faire l'accord des adjectifs. Quand moi je faisais mes devoirs d'anglais, c'était pas comme ça. Donc ces méthodes, elles sont présentes dans un très grand nombre de publications en recherche. Et souvent, c'est ce qui fait que même des entreprises qui sont assez frileuses sur le machine learning, elles finissent par nous commander une formation parce qu'elles voient ces méthodes sortir partout et elles se disent « Mince, si j'y vais pas, je vais louper quelque chose d'important et je vais plus être capable d'aller chercher des innovations intéressantes. » Donc c'est un double risque en fait, le machine learning. C'est vous avez un risque à ne pas y aller, vous risquez de prendre du retard. Et vous avez un risque à y aller parce que c'est un investissement qu'il va vraiment falloir qu'il va falloir que vous borniez parce qu'on n'a pas vraiment encore de certitude actuellement sur la réussite. On ne peut pas quelqu'un qui vous garantit que ça va bien se passer, sauf cas très spécifiques, généralement, c'est pas bon signe. Donc, ajouté à ça, vous allez avoir des difficultés autour des données. Si vous voulez vous lancer dans le machine learning, il vaut mieux avoir des jeux de données conséquents. On parle de plusieurs milliers de données. C'est vraiment la première question à se poser. Si vous n'avez pas ces données-là, vous n'allez pas aller très loin. Ces données, elles doivent être propres et homogènes. Si quand vous avez appris les lettres de l'alphabet, vous aviez un professeur sadique qui vient de vous dire de temps en temps « Ah non, ça c'est pas un A, c'est un D, et puis ça c'est pas un E, c'est un F », je suis sûre que l'alphabet, vous auriez mis beaucoup plus de temps à l'apprendre. C'est la même chose avec vos méthodes. C'est ce dont tu parlais sur, par exemple, des méthodes qui vont avoir des biais, qui vont embaucher plus d'hommes parce qu'elles sont entraînées sur des données du passé où il y avait effectivement plus d'hommes qui étaient embauchés. Mais là, c'est dans les données que vous fournissez à votre méthode, il y a des erreurs, des biais, et vous allez les transmettre à votre méthode. Donc ça, il faut que vous assuriez qu'il y en ait aussi peu que possible. Et c'est en... Sur cette étape-là, ça vaut la peine de faire appel à un data scientist parce que lui, il va pouvoir vous accompagner dans l'analyse de ces données. Alors, on a des difficultés aussi qui sont liées au nombre d'algorithmes qui est présent. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes actuellement qui sont présents, beaucoup de bibliothèques. Alors, c'est les exemples que je vous donne, c'est surtout du Python, mais on a quand même quelques références. Et c'est bien parce que c'est des bibliothèques qui font déjà un travail de tri. Ils ont des, Scikit-learn par exemple, c'est un projet français de code libre et ils ne peuvent pas mettre leur développeur à plein temps pour implémenter le dernier algo qui sort. Donc ils vont faire une présélection et ils vont implémenter uniquement les algorithmes qui sont les plus intéressants. Donc on va avoir des problématiques qui sont liées aussi à la manipulation de données volumineuses, c'est pas toujours évident à mettre en place. Et ces algorithmes, ils sont souvent lents et coûteux en termes de ressources. J'ai un collègue en thèse qui en avait pour 3 semaines chaque fois qu'il lançait son processus d'apprentissage. Donc ça a un coût pour l'entreprise. Donc l'autre difficulté que vous allez avoir, c'est que sur cette catégorie d'algorithmes-là, faire une preuve, ça va être très très difficile. Il va venir parcourir vos données, sélectionner des choses qui vont lui permettre de prendre des décisions, mais ça va être très difficile de comprendre son processus. Si par exemple on s'intéresse aux algorithmes qui font de la traduction,
Quand on regarde un peu ce qu'ils font, on voit qu'ils s'intéressent à certaines structures grammaticales qui nous paraissent cohérentes, mais la plupart du temps, on ne comprend pas ce qu'ils sont allés chercher dans les données. Alors, on est quand même capable de déterminer les cas où il va y avoir des problèmes, mais ça va demander de mettre en place un processus d'expérimentation qui peut prendre du temps et qui demande à être vraiment bien fait pour que les résultats soient fiables. Et ça va vous poser des problèmes pour établir des contrats avec vos clients. Par exemple, une voiture autonome, ça ne serait pas du tout gênant si on était sûr qu'elle ne puisse pas être conduite quand il pleut. Vous désactivez la conduite autonome et c'est terminé. Ce qui est gênant avec la conduite autonome actuellement, c'est qu'on a du mal à savoir dans quel cas ça va poser problème. Et j'ai rencontré des entreprises, notamment dans le domaine médical, qui étaient vraiment confrontées à cette difficulté, parce qu'eux, on leur demandait de prouver que leur programme fonctionnerait bien dans tel et tel cas de figure. Bon, je pense qu'il y a aussi pas mal de difficultés qui sont liées au fait que c'est finalement un domaine qui est très jeune et qu'on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience et qu'il y a finalement assez peu de personnes qui vont être capables de vous chiffrer de manière exacte un projet en machine learning. Et en plus, avec les systèmes experts, on a un précédent fâcheux dans le domaine de l'IA. C'est des systèmes qui ont été utilisés à bon escient sur des problèmes qu'ils ont résolus de manière extrêmement efficace. On a voulu les appliquer à toute une série de problèmes. Il y a eu plein de financements, on n'a pas toujours regardé si le projet était pertinent ou pas, et on a perdu beaucoup d'argent, et c'est ça qui a donné lieu au deuxième hiver de l'IA. Et du coup, fort de ces expériences, les entreprises sont un peu frileuses sur le machine learning et se demandent si elles vont pas encore investir des sous pour finalement avoir pas grand-chose en termes de résultats. Donc ça, c'est les aspects techniques, et ensuite on va rentrer dans les aspects éthiques. Donc c'est des problématiques à ne pas du tout sous-estimer parce que ça peut avoir un impact très fort sur notre image de marque. Par exemple, alors c'est pas une problématique d'IA, mais la caméra de l'Xbox One qui devait être allumée en permanence pour récolter des données, finalement, si je dis pas de bêtises, Microsoft est revenu dessus parce qu'ils sentaient qu'il y avait un blocage énorme par rapport à ça et que les gens n'allaient pas investir dans cette console-là parce qu'ils avaient peur de cette caméra qui les filmait en permanence. Ça va jouer également sur la confiance que les clients vous portent. Ça peut être sur l'application Uber, par exemple, c'est pas très agréable de savoir qu'elle a suivi tous vos déplacements à votre insu. Ça peut être aussi, quand vous mettez en place, vous venez remplacer quelque chose qui était fait par un expert, par une méthode de machine learning, il faut être sûr que ça ne vienne pas dégrader le service. Oui ? Ah, je me lâche. Donc ces aspects éthiques, vous les retrouvez principalement sur la collecte des données et sur l'audit possible des algorithmes. Les personnes préfèrent savoir ce qui se passe dans les algorithmes et quels sont réellement les traitements qui sont effectués. Et vous avez aussi, notamment dans la finance, ils se posent souvent la question de est-ce que ce qu'on essaie de leur vendre, ça apporte vraiment une plus-value ou est-ce que c'est pas du... Donc, ces questions éthiques, elles amènent au fait qu'actuellement, c'est un domaine sur lequel on s'intéresse d'un point de vue juridique, soit sur la collecte des opérations, sur les opérations effectuées, sur la mise en danger de personnes, etc. Et donc, il y a fort à parier qu'on ne s'arrête pas là, et ça peut impacter fortement les produits que vous allez mettre sur le marché. Ce serait dommage d'avoir passé un an en R&D et de vous rendre compte que vous ne pouvez pas commercialiser votre produit parce que la législation a été mise à jour et que c'est plus accepté d'un point de vue juridique. Donc, si je fais le point très rapidement, actuellement, on a une très grande partie des innovations en recherche qui utilisent des méthodes de machine learning. Ces méthodes, elles occupent suffisamment de place dans nos sociétés pour faire l'objet de réflexions sur le plan législatif ou d'avoir des débats de société. Donc quelque part, il va bien falloir s'y intéresser, même si ça reste une tâche ardue, de les intégrer au sein de logiciels. Je pense que là, on peut dire que ça a suffisamment d'impact dans notre société. Alors je vais terminer très rapidement. Donc, je vais partir d'un exemple. Donc à Makina, on a travaillé sur un observatoire photographique du paysage. Ça consiste à créer une application web, donc là c'était pour le territoire de Martinique, pour mettre à disposition des fonds de photographie qui vont montrer l'évolution de plusieurs points de vue au fil du temps. Donc on a un peu plus de 2000 photographies qui sont géolocalisées, et à chaque photographie on a une ou plusieurs thématiques qui sont associées. Donc ça c'est la commande qu'on a eue, et du point de vue R&D, on voulait voir si on pouvait proposer des outils intelligents pour améliorer cet observatoire photographique du paysage. On s'est donné trois axes de recherche. Donc on a voulu voir déjà si ce jeu de photographie, on pouvait venir le résumer en quelques images en venant grouper les images.
Ensuite, on s'est intéressé à la détection des éléments paysagers. Alors là, on a utilisé à la fois les photographies de l'observatoire et des photographies aériennes, puisqu'elles étaient géolocalisées, on pouvait faire le lien entre les deux. Et on a cherché à déterminer si deux photographies concernaient des thématiques communes. Donc, le premier axe, c'était vraiment le plus facile, il y avait une prise de risque qui était très faible. C'est des algorithmes, enfin on a utilisé uniquement des algorithmes qui ont fait leur preuve depuis des années. Et bon, honnêtement, si vous vous trompez quand vous résumez votre observatoire photographique du paysage, il n'y a pas de vie qui est en danger, donc il n'y a pas un impact qui est énorme. Et on a obtenu, je pense que là on peut parler de succès complet. Donc là vous avez un GIF animé, alors c'est pas des photos de l'observatoire, hein, c'est des photographies de Wikimedia Commons. Donc au début on n'avait que des photographies de littoral et de montagne, et petit à petit j'ai rajouté des photographies de forêt et de désert. Et vous voyez que nos quatre images résumées, elles vont évoluer au fil du temps, donc on arrive sur ce résumé là. Donc là l'idée, hein, c'est que votre résumé, vous le mettez à jour en même temps que vos données. On a un ensemble de données qui sont, vous imaginez que c'est vos photographies à l'instant T, et vous allez venir les résumer par quatre photographies. Ça, un être humain, il est capable de vous le faire, il n'y a pas vraiment de raison de passer par une méthode d'IA. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ce résumé, il se met à jour à mesure que vous ajoutez de nouvelles photographies, et que vos photographies concernent des thématiques différentes. Et c'est ce qui se passe ici. On passe d'un jeu de photographie qui concerne essentiellement du littoral et de la montagne à un jeu de photographie où on va apparaître de la forêt et du désert. Donc sur la détection des éléments paysagers, donc on avait plusieurs éléments qu'on cherchait à détecter, et en gros, tant qu'on a eu assez de données, ça s'est bien passé. On aurait été agréablement surpris si pour les éléments pour lesquels on avait peu de données, ça marchait, mais on n'attendait pas de réussite énorme dessus, et effectivement, ça s'est confirmé. Donc là, vous avez un exemple d'image aérienne. Et ce que notre algorithme a détecté, c'est qu'il y avait du littoral et des zones agricoles. Et les deux autres hypothèses qu'il émet, c'est que peut-être, mais il en est moins sûr, il n'y a que des zones agricoles, et peut-être qu'il n'y a que du littoral. Donc là, c'est vraiment un résultat qui est très bien. Et alors, sur la détection des images qui ont une thématique commune, donc là, l'idée, c'est que quand vous rajoutez une nouvelle photographie sur votre observatoire du paysage, vous pouvez la rattacher à des thématiques en regardant les images qui lui ressemblent. Alors c'est encore en cours, juste un premier résultat, là donc vous avez les différents points de vue et ils sont reliés par des traits d'autant plus épais qui partagent des thématiques communes. Donc ce qu'on voit très bien, c'est les points de vue sur le littoral qui sont reliés entre eux. Donc c'est plutôt prometteur comme premier résultat. Pour terminer, hein, quand vous allez mettre en place un projet de machine learning, finalement, nous on a généralement quatre étapes. Donc on essaie de préciser les objectifs. Donc on va réfléchir à la collecte et à l'analyse des données. Ensuite, on essaie de mettre en place un pipeline applicatif complet. Enfin, je pense que plus ça va, plus on va le faire, parce que c'est vraiment essentiel. Et seulement à la fin, on va entraîner et paramétrer la méthode. Bon, ça, c'est le fonctionnement idéal. Donc déterminer précisément les attentes, c'est essentiel, parce que c'est là où vous allez mettre en place les critères qui vont vous permettre de valider si ça a bien fonctionné ou pas. Si vous ne le faites pas, vous allez toujours rester dans le flou et vous ne saurez pas finalement où est-ce que vous en êtes de votre projet. Sur la collecte des données, donc si vos données sont collectées, si vous mettez en place une collecte des données, il faut vous assurer que les données que vous allez collecter pour l'apprentissage de la méthode, c'est vraiment des données qui vont être acquises avec le même processus que vos données de mise en production. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre les deux. Si vous réalisez une vérité terrain, donc la vérité terrain, c'est à chaque donnée associée le résultat qu'on souhaite obtenir. Mais cette vérité terrain, il faut vous assurer qu'elle contienne aussi peu d'erreurs que possible. Sinon, vous allez entraîner votre méthode de manière incorrecte. Ce processus de collecte des données, il doit permettre de réduire les difficultés lors de la phase de traitement. Et notamment, si vos données proviennent de sources différentes, il faut vraiment penser à les récupérer sous un format homogène, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, ensuite, sur l'analyse des données, vous allez extraire votre jeu de données d'apprentissage et votre jeu de données de validation, et vous allez vérifier que, par exemple, votre jeu de validation, il ne soit pas beaucoup plus simple que vos données d'apprentissage. Vous allez identifier les cas limites, généralement les cas où vous avez peu de données, et vous allez pouvoir identifier des pré-traitements qui peuvent être appliqués, donc c'est des traitements mathématiques, et ça va permettre de mettre vos données sous une forme qui sera beaucoup plus facile pour l'algorithme. Donc ça, c'est une étape qui peut être à mon sens, c'est l'étape qui peut être le plus facilement chiffrée. C'est clé dans la réussite du projet,
Et si vous avez une bonne coordination entre les experts du domaine métier et le data scientist, normalement ça devrait bien se passer. Si vous vous trompez dessus, et on a eu des exemples auprès de nos clients, la collecte des données, ça a doublé le budget qui était prévu, et ça a juste fait qu'ils n'avaient plus de sous pour développer leur méthode de machine learning. Et on était très déçus. Donc, votre pipeline applicatif complet, là c'est chouette, vous n'avez pas besoin du data scientist. Si vous définissez suffisamment bien quelles seront les étapes de collecte, comment vous allez intégrer votre méthode, donc là vous avez généralement une méthode idiote qui fait une prédiction aléatoire, et comment vous allez valider cette méthode, bah, vous pouvez le faire développer par un développeur. Et qui n'a pas spécialement de connaissances en machine learning. Et généralement, c'est votre base, c'est-à-dire que vous essayez de montrer par exemple que vous faites mieux qu'une prédiction aléatoire. Ou que vous faites mieux qu'un modèle qui existe déjà. Et donc sur la dernière étape, donc, ça va être très rare finalement d'avoir besoin de la dernière méthode qui a été proposée. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, mais il y a des bibliothèques qui vont déjà faire un travail, une présélection pour vous. Donc c'est intéressant de vous tourner plutôt vers ces bibliothèques avant d'aller stalker tous les comptes GitHub des chercheurs les plus réputés. Et alors finalement, vous allez avoir deux axes pour sélectionner vos méthodes. D'abord, des méthodes qui ont obtenu des résultats sur des problèmes similaires au vôtre, sur des données qui ressemblent, ça c'est évident. Mais si vous n'avez rien de similaire, vous allez vous tourner vers des méthodes les plus génériques possibles, des méthodes qui ont été utilisées par exemple sur du texte, sur de la donnée, enfin sur des relevés météorologiques, sur des images, et qui ont obtenu des résultats qui sont bons. Là, vous dites que ça c'est une méthode qui est robuste et que vous avez plus de chances qu'elle fonctionne sur vos données à vous, sur votre problématique à vous. Bon, ben là, c'est là où généralement vous avez le plus besoin de votre data scientist avec la partie analyse des données. Voilà, j'ai fini, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Non, c'est parfait, merci. Je vous remercie. Et puis,